Je suis avec Simon qui est là. ADN, c'est une boîte de détection de fuite. Et je vais vous montrer parce qu'on a une fuite ici au chantier de Juvignac. Et on a fait intervenir Simon pour qu'il détecte les fuites. Et je vais vous montrer comment il fait sur ce système-là. Hop, regardez. Il a une petite seringue. Et là, je ne sais pas si on voit. Le liquide, c'est quoi comme liquide? C'est du colorant de la fluorescine. Ouais. Le colorant est aspiré par la fuite. Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? C'est que tu passes le colorant au niveau de toutes les traversées de parois. Donc, et tu vois ouais, c'est ça, au niveau du scellement des traversées de parois. Et s'il y a la moindre infiltration, le colorant, il suit le mouvement de l'eau. Et il part dans la fuite. Donc là, on peut voir le mouvement. Le colorant, il disparaît totalement. Il se fait aspirer par la fuite. Fuite trouvée, j'ai l'équipe qui va arriver pour arranger directement. Après, on a fait du super boulot, c'est magnifique. Hein. Et oui. Hop, voilà, ADN, expert en recherche de fuite, comme ça. Et attends, on va interviewer Simon. Et vous intervenez où alors? Donc nous, on fait toute la région Montpellier, du Pic Saint-Loup jusqu'à Béziers, en passant par toute la côte, donc Palavas, la Grande Motte, Gros du Roi, Port-Camargue, Marseillan, voilà. Alors, et à peu près combien on est transparent sur la moyenne de budget pour une détection de fuite, hein? Une moyenne de budget, c'est entre 500 et 900 euros suivant le bassin et la distance d'intervention. Il m'a pris des sous là. Allez, voilà. N'hésitez pas, si jamais il y a des soucis, vaut mieux faire appel à des pros. Il nous fait un dossier. Mais franchement, c'est aux petits oignons. Ouais, franchement, ouais, vraiment, c'est le top. Allez, merci.